On veut aussi vous demander, si vous le souhaitez, de nous soutenir financièrement pour participer à la location de cette salle qui est importante pour notre histoire, mais qui a été récupérée par des sociétés d'événementiel et qui coûte fort cher. Donc n'hésitez pas, on a créé une cagnotte Litchi, hommage à Alain. Donc vous pouvez la trouver, vous pouvez financer, participer en tout cas, pardon, au financement de cette soirée. Merci à toutes et tous. Alors, pour commencer ce ton, je voudrais démarrer avec les mots qui sont celles d'un camarade d'Alain, qui peut évidemment pas être là aujourd'hui parmi nous, hein, puisqu'il nous a quittés en 2010. Ce sont des mots de Daniel Ben Saïd. Avec ses lunettes studieuses et sa cravate, objet de la dérision des libertaires, il avait un look romantique doctrinaire. Il ne faut pas se fier aux apparences. Alain est plutôt un pragmatique, hyperactif, animé d'une vocation et d'une authentique passion pour la politique. Il s'est révélé matériellement, médiatiquement, moralement incorruptible. La campagne présidentielle de 1969 était seulement la seconde à bénéficier de la médiatisation télévisuelle. Il n'est pas sûr qu'un autre candidat, aussi jeune, aurait aussi bien résisté aux flatteries et aux séductions de la personnalisation. Formé dans la lutte contre toutes les formes de bureaucratie, Alain était une sorte de grand frère, rassurant, et un exemple de rigueur égalitaire. Toujours prêt à prendre sa part de corvée, toujours disponible, y compris en pleine nuit, pour voler au secours d'un camarade en rade dans un commissariat, toujours prêt à se régaler d'un casse-croûte le plus frugal, ou de se satisfaire de l'hospitalité militante la plus inconfortable. Mais pas toujours. Ce lot de qualités a bien sûr sa contrepartie de défauts. Par rejet viscéral de tout privilège et de toute relation hiérarchique, Alain a toujours répugné à organiser le travail des autres. Rebuté par les logiques de pouvoir, il est un prototype insolite de dirigeant qui refuse de diriger. Sans doute, ce travers vaut-il mieux que l'inverse. Voilà ces mots qu'on tenait à rappeler pour commencer, parce que je pense qu'il est plus. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue dans ce palais de la mutualité où je pense qu'on est un certain nombre à ne pas avoir remis les pieds depuis quelque temps. Les tarifs ne sont pas les mêmes, sachez-le. Donc on a organisé une cagnotte litchi, puisqu'on se met au parfum, histoire de pouvoir célébrer ce moment ici, parce que ça a aussi une symbolique un peu forte. Donc évidemment, Alain nous manque cruellement, de mille manières, humainement et politiquement, mais on a voulu organiser cette commémoration militante à la manière dont il l'aurait au moins supporté, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire décontracté et le plus joyeux possible. Donc vous pouvez être décontracté, à l'aise, et prendre un maximum de place pour ceux qui sont encore assis, même sur les premiers rangs, puisqu'il reste des places. D'ailleurs, au cas où Manuel Valls voudrait prendre, je sais pas, s'incruster dans la salle, n'hésitez pas à occuper les premiers rangs. Donc on va commencer le déroulé par une vidéo, du coup. La vidéo qui a été enregistrée à l'occasion des obsèques d'Alain qui ont eu lieu au Père Lachaise, qui étaient des obsèques, bah, justement, à l'image de ce qu'on souhaite aussi aujourd'hui, c'est-à-dire joyeux et militant. Il y a eu une manifestation, il y a eu des hommages qui ont été rendus. Et cette première vidéo, eh bien, c'est celle de quelqu'un qui porte le même nom qu'Alain Krivine, qui est né le même jour que lui, un jumeau, donc. Ce qui avait d'ailleurs valu à Alain quelques petits déboires de temps en temps dans ses déplacements, en particulier en Suisse, puisque son frère jumeau, lui, semble-t-il, avait quelques démêlés avec la justice suisse, ce qui n'était pas le cas, mais je veux balancer personne. Le combat qui a fait été déterminant à un moment donné dans la vie d'Alain, et donc la solidarité par rapport à l'Algérie. À toi la parole, Kamel. Sincèrement, c'est difficile pour moi de parler d'Alain, parce que c'est... J'ai dit pour nous, on discutait hier, pour nous, Alain, c'est l'Algérien. J'ai été rappelé à l'ordre par une camarade martiniquaise qui dit non, elle est martiniquaise. La camarade tunisienne dit non, Alain est tunisien. Je commence par ça, c'est pour dire qu'Alain,
Ses liens à l'international, c'est des liens humains. Il a une facilité. Le sens d'intégrer les valeurs des autres et de ne pas avoir de normalité par rapport à lui. Et ça, ça a marqué des générations de militants qui ont fui l'islamisme, qui ont immigré dans les années 90 par un accueil humain. La dimension humaine d'Alain est l'une des choses les plus importantes. Mais Alain aussi, c'est l'Algérie. Alain est ce qu'il est parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie. C'est la guerre d'Algérie, c'est la question coloniale qui l'a fait radicaliser. Et pour des militants comme nous qui vivons là-bas, à un moment où la question nationale qui est née de la troisième internationale a été bradée par les staliniens, c'est un honneur de dire que nous, nous étions présents et ça compte en Algérie de se réclamer de tous les camarades qui ont eu le courage, par moment, de construire une usine d'armes en dehors de porter des valises. Il faut le faire. Il faut le faire contre sa nation. Il faut le faire dans l'adversité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre identité aujourd'hui en Algérie, dans notre, pour nous réclamer du mouvement ouvrier qui est à l'origine, qui est à l'origine de l'indépendance de l'Algérie, de la question nationale particulièrement. Pour ceux qui se rappellent, c'est l'étoile nord-africaine. Donc, et nous aussi, Alain, on a compté pour lui de cette manière. On lui a permis de se radicaliser. J'allais dire, Cathy disait hier, sans ça, peut-être qu'il y aurait pas, il y aurait eu ça de stalinien, indirectement, j'allais dire. Mais Alain aussi, on lui a donné des moments. Je ne peux pas oublier l'image d'Alain en 91, au congrès du PST, avec Maïtan, Livio Maïtan. Il était jeune, je pense, dans le temps. Mais nous, il était impressionnant parce qu'après la chute du mur de Berlin, la sortie de la clandestinité de notre organisation, il y avait une salle de 400 personnes dont la moyenne d'âge était de 23 ans. Et nous, ceux qui avaient 40 ans, on les appelait Taouazem Age. Je me rappelle de son expression, j'allais dire, de son émotion, parce que dans le temps, tout était contre nous. C'est la chute des idées, c'est la chute du socialisme pour le commun des mortels. Et ça, c'est quelque chose. Il nous a accompagnés, que ce soit lui ou Daniel, dans la fondation de notre Coran, dans la solidarité, en étant présent dans nos congrès. Mais il était présent, malgré l'image qu'on voulait, qui se dégageait de l'apparatchik. En fin de compte, il n'y a pas plus humain que celui-là dans ses relations humaines. Et je pense qu'il faut dire une chose. L'internationalisme, je pense qu'il l'a incarné mieux que quiconque, parce qu'il l'a incarné d'un point de vue humain. C'est un humaniste profondément. C'est quelqu'un qui comprenait du premier coup d'œil qu'un Algérien comme moi, culturellement, ne demandait pas quelque chose. C'est à vous de comprendre, sans qu'on le dise, parce que nous, on ne le dit pas dans notre culture. Il le comprend, lui, il savait. Donc, ça, c'est... l'internationalisme voudrait aussi se débarrasser des normalités nationales, des normalités des sociétés. Et je ne peux que vous transmettre les salutations de toutes les générations militantes, ceux qui sont, ceux qui ont arrêté. Mais tout le monde a fait une halte pour saluer la mémoire de celui qui a fait qu'il y a eu une continuité de notre rêve collectif. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Et je salue aussi votre campagne anticolonialiste que vous avez menée, parce que beaucoup de monde ne comprennent pas qu'on laisse des plumes quand on défend la loi d'autodétermination des peuples. C'est évident, c'est l'histoire, et merci beaucoup. Merci à toi, Kamel. Donc, a priori, le problème technique est réglé, donc on va relancer la vidéo. Très bon militant, promis un très bel avenir et en récompense, en 1857, envoyé au festival de la jeunesse à Boston. Il a été troublé par sa rencontre avec les Algériens du FLN
qui lui reprochait la mauvaise MPC, mais ça l'avait troublé sans plus, ça l'avait réfléchi. Ça suffira. Il dirigeait néanmoins en Mont-Stalinien, il faut le dire, le cercle Condorcet, le cercle Lycéen au lycée Condorcet, en lutte permanente avec le cercle UEC du même lycée, à majorité aidé autour de lui. Mais en toute fin des années 50, il eut envie de faire quelque chose de concret pour l'Algérie. Il faut vous souvenir de la violence terrible de la répression là-bas. Il y a eu 500 000 morts, un impact, une torture généralisée. C'était, quand on avait un minimum de conscience, on ne pouvait pas rester inversé. La barbarie de Poutine, c'est tout à fait comparable. Alain avait une jeunesse, et profitant d'une diminution de ses défenses immunitaires, Jean-Michel et moi, une personne de la bonne littérature, et surtout le contact avec JR. Il faut que je parle dans le micro. Le contact avec JR, c'était Jeune Résistance, dont le nom n'est pas du tout anodin, et qui regroupait des jeunes qui voulaient militer activement contre la guerre d'Algérie. Ils viennent travailler en ligne militaire sérieux, et même ils vont aider à ce qu'on appellera plus tard le porteur de la liste du FN. Il adhéra en 61 à la 4e internationale, sans savoir que j'y étais déjà depuis 4 ans. Pourquoi ce secret et l'identité de ce communal? C'est très difficile à comprendre aujourd'hui. Il faut se souvenir qu'on n'était pas du tout sorti encore de l'ambiance iturotrotskiste, comme on dit aujourd'hui, islamo-gauchiste. Bon. Et en nous, on fusillait, ici, on cognait vraiment. Hein. Donc, c'est la réaction que je suis là en 61, dont Michel a parlé, face au putsch des généraux d'Alger. Tous les intellectuels de renom y ont participé. Sartre, évidemment, Villain-Laquais, Charles, etc. Alors, le FUA regroupait des milliers d'étudiants, en contraint le PSU, le FUA, la JOC et bien d'autres organisations à y collaborer. Mentionnons le petit cadeau de l'OES, un plastiquage de la vie. En 1965, refus de soutien à Mitterrand va conduire à la fondation de la JCR, dissoute en 68 pour sa participation de l'inconnu au Marignan. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer une citation de Marcelin, le Darmanin de l'époque, même style, même élégance, qui a dit « Je réprimerai toute violence, même si en cas de nécessité, il fallait mettre hors d'état de nuire, quelques centaines de petits filles. » Il est difficile de parler de son frère. De plus, Kevin n'aime pas trop parler de lui. On a peur d'être indécent. Et contrairement aux apparences, Alain était très timide devant deux ou trois personnes qu'il ne connaissait pas, mais pas devant quelques milliers. De ce point de vue-là, nous sommes vraiment de faux jumeaux, avec des qualités et des défauts complémentaires. Une anecdote pour vous illustrer, quand on a été quelque temps hébergé chez Juliette Gréco et Piccoli en 73, c'était la deuxième dissolution, à la question bien naturelle, voulez-vous manger un morceau? Alain a répondu, oh non, je ne voudrais pas vous déranger. Je l'ai un peu choqué par l'accident. Il avait été élevé avec ce souci presque maladif de ne pas me déranger. Souci qu'il maintiendra jusqu'au bout. Il y a une blague israélienne qui affirme qu'on ne peut pas être simultanément membre du MAPA, intelligent et honnête. Faites le choix de combinaison. Si vous êtes intelligent et honnête, vous n'êtes pas au MAPA. Si vous êtes au MAPA, intelligent, vous n'êtes pas honnête, etc. etc. Ça s'applique aujourd'hui parfaitement, ça s'applique aujourd'hui assez bien, disons, aux organisations dites de gauche. Mais Alain a démontré qu'on pouvait être à la fois trotskiste, intelligent et honnête. La perte de l'idéal socialiste ou communiste, trahi ou servi par les partis qui en portent les noms, est une des raisons du blocage de bien des mobilisations. Avec son enthousiasme et son talent, Alain aura contribué en pratique et sur une grande échelle à un début de cette réhabilitation indispensable pour aller de l'avant. J'aimais sa forme d'humour. Il avait décrit les quatre anglais, ces jeunes gens qui occupaient, dont une partie occupait la Sorbonne en 68, il avait décrit comme les quatre anglais, en quelque sorte du Black Bloc de 68, avec cette formule assassine, ceux qui veulent détruire l'université bourgeoise en commençant par s'en oublier. Tout récemment, dans les pages, alors qu'il ne parlait pratiquement plus, on lui montrait des photos de gens à connaître. Et
sur une photo de moi, une soldat a répondu à la question « C'est qui, lui ?» Pas « C'est un enfant. » Donc on s'excuse pour la qualité de la vidéo, mais largement compensée par la qualité des propos d'Hubert, il faut bien le reconnaître, qui nous ont donné seul le tournis. On va continuer avec l'intervention de quelqu'un qui est membre du comité exécutif de la 4e internationale et qui est aussi bien présente dans le mouvement altermondialiste, entre autres choses, et qui va revenir, puisqu'elle-même était à la fondation de la JCR dans le cadre des débats oppositionnels au sein de la jeunesse communiste, sur comment se sont noués les rapports politiques avec Alain, avec le PCI au tout début des années 60, c'est Catherine Samary. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça marche? Non? Il n'y a pas de micro. Si, ça y est? Oui. Bon, je ne vais pas avoir les mêmes ennuis techniques, mais sans doute pas les mêmes qualités qu'Hubert. J'ai connu Alain et, il y a 60 ans, de plus d'un demi-siècle, et par la même occasion son jumeau. Et je voudrais simplement ici résumer les trois moments d'une rencontre en trois étapes clandestines de l'année 62-63, l'année 62 de mes 17 ans, quand on largue les amarres. Ceci est intéressant parce que ça révèle qui était Alain et aussi le climat politique et les conditions de l'intervention de cette petite organisation, la 4e internationale, le PCI de l'époque, dans lequel il venait d'adhérer, comme Hubert l'a évoqué, et qui avait comme principale activité, en dehors d'une activité dans le PSU dont je ne parlerai pas, l'activité de l'entrisme dans le PC et la jeunesse communiste, donc le mouvement communiste. Or, j'avais adhéré à 15 ans, à la jeunesse communiste et au Parti communiste français à Cannes, où je suis née et où je suis restée pour ma scolarité jusqu'à mes 17 ans. Nous avons, mon frère et moi, Jean-Jacques, qui était le principal animateur de cette initiative dans la jeunesse communiste à Cannes, et nous avons rendu visite à Virgile Barrel, qui était député communiste à Nice, pour protester ensemble contre le caractère absolument insipide de la presse de la jeunesse communiste de l'époque et pour protester aussi contre la séparation des garçons et des filles. Et nous avons mis en pratique, donc entre 1960 et 1962, la phase où j'étais à Cannes, donc une activité militante dans la jeunesse de toutes sortes qui a valu, peu de temps après d'ailleurs, à mon frère Jean-Jacques, l'expulsion de la jeunesse communiste et la création à Cannes du premier cercle de jeunesse communiste révolutionnaire. Mais entre-temps, Jean-Jacques et moi, à l'intérieur du PC, avions adhéré à une organisation clandestine qui s'appelait UNIR et qui n'avait que des relations épistolaires. Et quand je suis montée, province à Paris, donc en 1962, dans le contexte de conflits familiaux qui m'ont fait quitter donc l'expérience politique de Cannes, j'avais demandé aux camarades anonymes d'UNIR la possibilité d'une rencontre. Déjà à l'époque, les jeunes préféraient le présentiel, disons. Et ils ont organisé ce qui s'est appelé UNIR Jeunesse. Et une première réunion d'UNIR Jeunesse, qui était ce premier moment de rencontre avec Alain, sans que je connaisse son nom, parce que la clandestinité le voulait. Il nous avait nommé J1, J2, J quelque chose. Il m'avait attribué le J1, et Alain était J, je ne sais plus quoi. Mais dans cette première et dernière réunion à l'intérieur du PC, et qui était tournée vers ce qui était en train de se passer dans la jeunesse, j'évoquais un peu ce qui se passait à Cannes, mais surtout le centre de gravité, c'était l'intervention d'Alain, dont je ne connaissais pas le nom,
et qui racontait ce qui se passait à l'intérieur de l'Union des étudiants communistes. J'étais encore lycéenne et dès que j'ai passé mon bac, je me suis précipitée au local de Clarté près de la Sorbonne où se tenaient les réunions de l'Union des étudiants communistes et là, dans la fumée, j'ai vu effectivement les différents courants qu'Alain avait à peine évoqués dans la réunion du NIR Jeunesse, les trois courants qui divisaient lui aussi à l'époque, ce qu'on appelait les maoïstes, les italiens eurocommunistes, et puis cette gauche qui s'avérait être ce qu'on appellera la gauche crivinienne du nom d'Alain et de son jumeau qui, du côté du secteur science, œuvrait en éminence grise. Dans cette réunion, quand je suis arrivée, Alain m'a dit tout de suite « Chut, clandestinité, il ne fallait pas qu'on manifeste, qu'on se connaissait ». Mais il m'a envoyé tout de suite un petit mot pour un rendez-vous à l'issue de cette réunion et ce fut le deuxième moment de notre rencontre clandestine dans cette année 62, tournant 62-63. Cette deuxième rencontre, à l'issue de la réunion de Clarté, d'abord tranchait avec le comportement des différents courants à l'intérieur de l'UEC qui se sont, pour aller vite, manifestés comme et cherchant plutôt à draguer. Alain, lui, il recrutait. Et le rendez-vous qu'il m'avait donné était un peu spécial quand même. C'est le rendez-vous dans une deux chevaux d'un camarade nommé Pierre, qui nous a amené un petit peu plus loin au quartier de l'Odéon où il a garé la voiture et là, dans la voiture, clandestinité oblige, Alain m'a fait son premier topo politique sur le stalinisme, un topo en bonne et due forme, passionnant, sûr, mais qui visait à expliquer les divergences aussi sur les questions internationales, sur notamment la révolution coloniale, sur l'attitude du PC dans la guerre d'Algérie, mais aussi sur ce qui différenciait par rapport aux différents courants qui traversaient l'UEC et le Parti communiste, justement les ailes maoïstes, italiennes et la gauche. Et c'est ainsi qu'il m'a recruté à la gauche crivinienne, deuxième étape donc de notre rencontre. Et nous avons participé à, évidemment, ce qui était les manifestations de rue sur la question du Vietnam, sur la question de l'Algérie, mais aussi à beaucoup de discussions, et notamment des discussions absolument passionnantes, dont la dernière que j'évoquerai ici, puisqu'il faut être court, tournait autour de quelque chose qui nous a profondément mobilisés et motivés. C'était chez Jeannette, une discussion sur Cuba. Et à l'issue de cette discussion passionnante sur ce qui était en train de se passer à Cuba, mais aussi les craintes que l'on pouvait avoir de la dépendance envers l'Union soviétique, il y a eu la troisième rencontre clandestine, la troisième étape. C'était quoi ? Alain et Michel habitaient dans le 17e arrondissement, pas très loin de là où j'habitais. Donc en sortant de cette réunion sur Cuba, j'ai su par la suite que Hubert, qui participait, avait donné son feu vert à Alain pour aller plus loin dans le recrutement. Et Hubert, donc, lui, restait là, mais Alain prenait le métro avec moi pour aller jusque dans le 17e, puisque j'habitais pas très loin de là. Et là, à minuit, dans le métro, nous avions un compartiment quasiment pour nous tous seuls. Alors il s'est assis en face de moi et il m'a dit: « J'ai quelque chose à te dire. Waouh, je suis trotskiste. Qu'est-ce à quoi ? Aucune idée. » Et là, ça a été la troisième partie de la formation politique intensive, c'est-à-dire l'explication de la révolution trahie, la confrontation avec le fascisme, la stalinisation de l'internationale communiste, la création de la quatrième internationale. Et c'est ainsi qu'il m'a recruté à minuit dans le métro à la quatrième internationale. J'y suis restée jusqu'à ce jour. Je suis d'accord, il faut applaudir l'existence de la quatrième internationale jusqu'à ce jour. La seule question ce soir-là, et j'arrêterai là, il faut être court, que j'ai posée à Alain, tout en ayant tout à fait, avec enthousiasme, accepté d'adhérer,
c'est est-ce qu'il y a une section de la 4e internationale en Union soviétique ? Alors, il m'a répondu non, mais on essaye. Alors, on a essayé. On a essayé et on a échoué. On a échoué et la tragédie des scénarios historiques qui se sont déroulés très éloignés de ce que l'on espérait, est-ce que vous connaissez, et ce dont les peuples du monde entier, et en premier lieu le peuple ukrainien, subit aujourd'hui les conséquences. Donc, je remercie Alain, et d'ailleurs son jumeau, de m'avoir recruté à la 4e internationale et de m'avoir convaincu que malgré tout, il fallait oser essayer et dans tous les cas de figure, refuser l'injustice d'où qu'elle vienne jusqu'au bout en essayant de construire un autre monde. Merci Alain. On va maintenant donner la parole à Alain Cyrulnik, qui a été un des dirigeants de la LCR, mais qui va surtout nous parler maintenant de l'expérience de la JCR avant 1968. Alain. Oui, quand j'ai connu Alain, on ne l'appelait pas encore Krivine, on l'appelait Monsieur Krivine. Il était prof d'histoire. C'était une époque un peu étonnante. Il y avait une différence énorme entre les lycéens et les professeurs, et pareil entre les étudiants et les professeurs. Les uns étaient des messieurs et les autres étaient des gamins, pour situer. 68 va beaucoup changer tout ça, mais jusque-là, un professeur ne venait pas avec nous aux manifestations, ne faisait pas de réunion avec nous, et c'est tout ça. Donc, quand j'ai connu Alain, c'est dans les années... c'est l'année 64, en septembre 64, j'allais avoir 15 ans, et nous étions avec mon frère, jumeau, vous verrez que ça a une certaine importance, militant de la jeunesse communiste. Nous étions déjà dans les mouvements communistes juifs, et nous étions militants de la jeunesse communiste suite à deux manifestations qui ont marqué notre jeunesse, qui est d'abord Charonne, où il y a eu plusieurs morts, dont une monitrice de nos colonies de vacances. Et ensuite, quand on l'a appris, parce que ça a mis plus de temps, ça a mis 2-3 ans après, octobre 61, parce que j'ai rencontré Élie Kagan, qui avait été un témoin et qui m'a fait découvrir octobre 61. Et donc, quand j'ai un copain juif communiste, qui me dit, il faut aller à Clarté défendre la librairie de l'Union des étudiants communistes, parce qu'il y a une journée organisée par Occident, organisation fasciste et antisémite et raciste, qui veut liquider et nettoyer le quartier latin de toute la vermine judéo-bolchevique. Comme nous étions quand même très motivés en tant que juifs communistes, mais une famille marquée par de nombreux déportés dans la famille, nous sommes allés avec Patty à ce rendez-vous pour défendre le local de Clarté. Patty m'avait dit qu'il avait un professeur communiste. On se met devant le local de Clarté, prêt à en découdre avec n'importe petit facho qui se présenterait devant le local, et on voit sortir un personnage assez impressionnant. Patty, mon copain, me dit « c'est mon prof d'histoire, là, c'est M. Krivine ». Et je vois donc M. Krivine, cheveux bruns, une belle chevelure, lunettes noires, lunettes entourées d'une écaille noire, un pardessus, bleu marine, une chemise et, on ne pouvait pas y échapper, la cravate. Il faut dire quand même qu'à l'époque, un professeur sans cravate, c'était quasiment inimaginable. Hein. Bon. Même dans certains lycées, les lycées de garçons, étaient obligés de porter la cravate. Donc, il était victime d'une obligation, peut-être pas un fervent défenseur de cette cravate. Mais enfin, ça a marqué son histoire et la nôtre. Mais voir un prof avec des gants de cuir, prêt à en découdre avec les fascistes, ça a quelque peu bouleversé notre opinion qu'on pouvait avoir du professeur classique. Et par la suite, lorsqu'on a été avec mon frère, Philippe, à Clarté, il y avait des débats, une vraie bibliothèque, une vraie école de formation vivante, parce qu'il y avait des débats entre les maoïstes, les italiens, les orthodoxes,
et le courant animé par Alain et Henri, où il y avait des diatribes sur le stalinisme, la révolution russe, la révolution, le colonialisme. Je dois dire que là, l'enthousiasme d'Alain, la force des arguments, les certitudes presque enchantées qu'il affirmait face aux autres, et je dirais même qu'en plus, les situations vraies, ou peut-être excessivement inventées ou colorées, qui étaient décrites dans ces débats, nous ont amené à rapidement choisir l'enthousiasme de cette génération qui se revendiquait du Tché et de Ho Chi Minh, qui faisait plus belle figure que Brejnev, Valdez-Crochet ou Georges Marchais par la suite. Il est certain que pour nous, ça a bouleversé le chemin qu'on avait parcouru, alors qu'on avait commencé par être des militants communistes tout à fait orthodoxes et tout à fait convaincus de toute l'histoire qu'on nous avait racontée du Parti communiste. Quand par la suite, il nous a repérés, on a discuté un peu, ils nous ont organisé des réunions, on était très peu, on devait être 4-5. Et ils nous ont préparé à un congrès fédéral où nous avons défendu, comme Catherine, le droit à la mixité des organisations de jeunesse communiste et le maintien d'avant-garde contre l'ersatz de journal du mouvement communiste qui allait devenir une pâle imitation de Salut les copains, qui était Nous les garçons et les filles. On s'est donc fait exclure en décembre 64 de la Fédération de Paris de la jeunesse communiste. Le cercle a été dissous par Roland Favaro, qui est venu nous expliquer pourquoi nous étions de dangereux agitateurs. Il ne nous a pas encore dit trotskistes, parce que c'est un terme que nous ne connaissions pas encore. Mais voilà, ça a donné donc que lorsqu'on a créé la JCR, nous, on y était déjà quasiment disponibles, peu, mais très déterminés et très convaincus. Armés par les formations de Alain, d'Henri, de Gérard Verbizier et de Hubert. Et c'est là que j'ai découvert que nous avions quand même des points communs avec la famille Krivine. Très étrange, ils étaient aussi jumeaux. Et c'est la première fois que je voyais des jumeaux qui n'avaient pas le problème de se faire reconnaître quand ils rencontraient quelqu'un, alors que contrairement à eux, moi et mon frère, beaucoup de gens me parlaient en croyant que c'était mon frère, et beaucoup de gens parlaient à mon frère croyant que c'était moi. Bon. Ça a des inconvénients, surtout dans le lycée, lorsqu'on n'est pas à l'heure du cours au lycée et qu'on rencontre un professeur du lycée. Ça a d'autres inconvénients, c'est qu'on nous voit beaucoup plus que ce qu'on croit. Et des fois, en plus, le troisième inconvénient, et ça pour Alain, ça a été très difficile, c'est de savoir auquel il parlait. Alors souvent, il m'appelait Philippe, alors que c'était Alain, donc je lui dis, c'est à l'autre qu'il faut parler. Alors après, par habitude et par humour, il me disait, à l'autre, oui, c'est bon, c'est Alain. Et en plus de ça, comme mon frère a été membre du premier comité central au lendemain de 68, le congrès qu'on a fait à Mannheim, après ça a été moi qui suis devenu responsable national étudiant, responsable national dans la commission ouvrière nationale, puis après au comité central et au bureau politique, il a eu l'impression de me rencontrer très très souvent. Peut-être plus que ce qu'il ne croyait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ceci dit, ce qui est sûr, c'est qu'il avait une capacité à expliquer simplement des choses que, quand j'essayais de faire la même chose, étaient beaucoup plus compliquées pour moi, surtout à l'époque, entre 15 et 18 ans. Bien sûr, la chose qui a été extraordinaire, c'est cette capacité à imaginer des moyens de donner l'impression d'être beaucoup plus fort que ce que nous étions réellement. La première manif qu'on a fait de la JCR, c'était en soutien avec la révolution vietnamienne. Il a eu la bonne idée de nous faire prendre la rue du Faubourg Saint-Denis, qui a un avantage énorme, c'est qu'elle est très petite, très étroite. Donc les centaines deviennent des milliers, les milliers des centaines de milliers, ce qui, je crois, a dû créer une habitude que nous avions à avoir des chiffres impressionnants. On n'était pas les seuls. Mais nous, nous avions commencé par une pratique qui augmentait naturellement la longueur du cortège par le chemin qu'on prenait. Et je dois dire que quand on a commencé cette première manif, et après quand mai 68 est arrivé, on est parti à 150, hein, c'est ce qui a été quand on a créé la JCR, et on a l'impression d'être diminué, on a l'impression que le monde était à notre portée, et en plus de se dire qu'on avait des dirigeants comme ça, qui étaient beaucoup plus jeunes que
les gérocrates qui dirigeaient l'Union soviétique, pour lequel j'avais à l'époque beaucoup plus de respect que j'en ai eu par la suite, et de tels combattants auxquels on se rangeait à leur côté, comme Le Che, Castro ou Ho Chi Minh, on s'est dit, c'est pas possible, on va renverser ce monde et on va créer un autre monde, on en était sûr. Mais 68 a d'un seul coup surgi, pas par surprise dans les rangs de la JCA, parce que beaucoup d'écrits, si les camarades relisaient les écrits, disaient qu'il y a un frémissement qui pousse à l'affrontement et que l'affrontement pousse à un élargissement des luttes. C'est ce qu'on faisait dans le mouvement lycéen, c'est ce qu'on faisait dans le mouvement étudiant. Hein? Tu veux que je conclue? Oui, je finis dans 5 minutes. Voilà. Voilà. Et je vais conclure rapidement. Et quand on est arrivé en 68, Alain nous dit, on faisait des réunions tous les soirs, et ce qui est extraordinaire, et ce qui est quand même un sens assez incroyable d'opération, on se réunissait, et un jour, il nous dit, il faut aller boulevard Saint-Michel, commencer les affrontements, et les arrêter, parce que les affrontements, les vrais, doivent avoir lieu le lendemain à Gare de Lyon, pour la manif où tout le monde se retrouve à Gare de Lyon. Donc, comme un seul homme, ou jeune homme, plutôt que nous étions, on est parti dans cette manif, on a été devant les premiers affrontements, et après on a dit, il faut reculer, le vrai affrontement, c'est le lendemain. Les gens nous regardaient bizarrement. Le temps qu'on le dise, ils ont chopé le casque et le matériel qu'on avait, on a réussi à revenir, mais enfin le lendemain, tout le monde était présent à la gare de Lyon, avec un affrontement mémorable, où Henri et Alain nous ont annoncé que les cartes de CRS allaient dans 5 minutes disparaître. Ils n'ont pas disparu, et nous, on a fait le tour de Paris par la Bourse du Travail pour terminer à la Sorbonne. Voilà, c'était Alain. Il avait une qualité incroyable, c'est qu'il était jamais à la recherche de la reconnaissance et des honneurs, toujours disponible à des rencontres avec nos militants. C'était, pour dire les choses simples, un homme qui était un militant, un camarade qui était un ami, qui m'a appris, qui nous a appris que, quel que soit l'air du temps, il faut toujours et encore résister, surtout quand le ciel devient vert de gris. Voilà. On va considérer que les jumeaux ont le droit de parler un peu plus que les autres, mais on va demander aux suivants d'essayer de respecter leur temps de parole parce qu'il y a beaucoup d'inscrits. La question des combats politiques qui ont eu lieu dans les pays de l'Est, c'était une question aussi absolument cruciale dans tout le parcours politique d'Alain depuis le début, puisque bon vendeur de l'avant-garde, il s'est retrouvé à aller à Moscou et c'est là qu'il a rencontré une délégation du FLN qui a commencé aussi son processus de politisation. Il a eu des contacts avec des camarades tchèques, notamment Petroul, qui a participé au printemps de Prague, et ce qui lui a valu de passer plusieurs années en prison. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir notre camarade Anna Shabatova, qui est membre et porte-parole de la plateforme 77, pour nous parler de cette thématique. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Un souvenir d'Alain Krivine. Quand Alain est mort, le 12 mars, j'ai réalisé qu'un homme qui appartenait à mon univers mental, qui avait influencé ma vie de manière très indirecte, mais non négligeable, s'en allait. C'est un peu un paradoxe. Je n'avais vu Alain que quelques fois dans ma vie, et nous n'avions jamais passé beaucoup de temps ensemble. Pourtant, bien avant notre première rencontre, au début des années 1990, il avait été très présent dans notre famille, grâce à mon mari, Peter Hull, qui en parlait souvent. Peter est né la même année qu'Alain, et il est décédé 3 mois plus tôt, le 1er décembre 2021. Il n'a jamais caché que sa rencontre avec Alain et plus tard avec ses amis et ses proches a eu une grande influence sur lui, et je pense pouvoir dire que cela a orienté son chemin de vie dans une certaine mesure. Dans un grand livre interview publié en 2013, Petra en parle ainsi.
En 1962, alors que j'étais étudiant en ingénierie, j'ai effectué un stage d'un mois dans le bureau d'études du chantier naval de Gdańsk. C'était dans le cadre d'un échange et les Polonais sont ensuite venus en Tchécoslovaquie. Pendant leur séjour, je les ai accompagnés à Karlovy Vary, où nous avons dormi dans un camping. Le tente était pour deux et le camping était presque complet. Le bureau du camp m'a dit « Nous avons encore deux places vacantes, l'une avec un Jamaïcain et l'autre avec un Parisien. » J'ai choisi le Parisien parce que je parlais bien le français à cette époque et je ne connaissais pratiquement pas anglais. Quand je suis arrivé à la tente, raconte Petre, le jeune Parisien s'est approché de moi et s'est présenté en russe. Здравствуй, меня зовут Олен, а тебя как тебя зовут? Je lui ai répondu en français. On a entamé une discussion. Et c'est ainsi qu'a commencé une amitié qui a duré toute la vie. Comme Petre l'a écrit dans ses mémoires. Alain voyageait alors en Tchécoslovaquie sur une mobylette pour faire l'expérience de la vie derrière le rideau de fer. Petre est venu pour la première fois en France en 1965 pour quelques semaines à l'invitation d'Alain. Petre racontait « Je suis venu dans le petit appartement où Alain vivait avec Michel. Il y avait une vingtaine de jeunes présentes et on discutait de la manière d'aider les déserteurs de l'armée française qui se cachaient pour ne pas être arrêtés. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le mouvement de la gauche radicale. » Finalement, Alain a proposé de loger Petre chez le père de Michel Krivine, Gilles Martinet. Après un autre séjour à Paris en 1967, Petre a ramené à Prague une lettre ouverte aux membres du parti polonais de Jacek Kuroń et Karol Modzelewski. Il l'a traduite avec un autre ami, puis imprimé à l'École polytechnique de Prague au printemps 1968. C'est un des nombreux exemples vivants de la façon dont les jeunes européens de gauche ont tissé les liens à travers et en dépit des systèmes politiques au cours de l'année turbulente de 68. Après l'occupation soviétique, les temps furent plus durs. Et Petre nous raconta plus tard, avec émotion, à moi et nos enfants, comment sortant de ses quatre premières années de prison en 1973, il trouva dans les papiers laissés par sa mère décédée une coupure de Presse du Monde qui racontait comment M. Alain Krivine et ses camarades de la LCR pour protester contre son emprisonnement, avait occupé les locaux commerciaux de la Tchécoslovaquie. Lors de la deuxième incarcération de Petre, nos amis de la LCR ont à nouveau exprimé de diverses manières leur solidarité pour la libération de Petre et de tous les codétenus, y compris Václav Havel. Plusieurs comités de défense des droits se sont associés pour envoyer une délégation à Prague pendant le procès. Dans ce cadre, Catherine Samary se trouvait à Prague, ainsi que Jean-Jacques Marie et diverses personnalités le jour du procès. Malheureusement, Alain ne pouvait pas venir, son nom étant très connu de la police secrète tchécoslovaque. Il n'a pas obtenu de visa avant novembre 1989. Mais Hubert, le frère jumeau d'Alain, est venu à plusieurs reprises avec ses enfants pour Noël, afin que nous passions les passer ensemble.
et ne pas être si triste, jusqu'à ce qu'il soit à son tour expulsé. Nous avons pu retrouver Alain dans les années 1990, lorsque nous avons assisté à un grand rassemblement organisé par la LCR et où se produisait la célèbre chanteuse tchécoslovaque Marta Kubišová. Chaque fois que j'ai rencontré Alain, je sentais la chaleur, énergie inépuisable et la bonne humeur qui l'ont accompagné tout au long de sa vie, qu'il a consacré à la lutte pour la libération des opprimés et des humiliés, en France et dans le monde. C'est ainsi que je me souviendrai toujours de lui. Alain, merci pour tout. Honorez sa mémoire. Alors maintenant, on va avoir l'occasion d'écouter un message qui nous est envoyé d'Angleterre par Tariq Ali, qui a été dirigeant de la section britannique de la 4e internationale et surtout animateur du mouvement de la jeunesse contre la guerre du Vietnam à la fin des années 60, dans les années 70. Tariq Ali, donc pour la vidéo. Friends and comrades, I would have very much have liked to have been with you in person. For me, at any rate, to travel. So I send you greetings for this occasion, which is both a sad and a happy occasion in the sense that it gives us the opportunity to remember Alain. And for my generation, I remember him, of course, in the 60s and 70s. I first met Alain in March 1968, before May, when we had a big demonstration against the Vietnam War and in solidarity with the Vietnamese. And the police broke up that demonstration very brutally outside Grosvenor Square, the American embassy. And I found Alain with some other comrades looking a bit side street, so we took him with us to get some food and a drink, and later took him to the IMG headquarters. That is my first memory of him, and we explained what had happened and why, not that we knew everything ourselves at that point. And then I came and met Alain again and Daniel in 69 for the presidential campaign of the League, where Alain, I think, for the first time stood as president, and I went with him to the south of France. I think it was either Perpignan or Marseille, too. We had a huge meeting of support for that. And on the way back in a private plane to Paris, the police took me off and France, saying I was not allowed to enter. Meetings then used to take place in Brussels at the during the Fourth International Bureau and Secretariat meetings, which I often attended. And my memories of Alain and other comrades from the French League at that period are very clear. It was for us, those of us in smaller groups and organizations, the best organization of the Fourth International. Best, not in the sense of human qualities necessarily, though there too, but intellectually, and the elan it displayed at that particular time was a big, big thing for us in France. That here we had an organization which could check social democracy and Stalinism on a very high level, much, much higher than the level of our opponents. So the League played an important part in the formation of many of us. And just this morning, by accident almost, I found in the files of the police files, which have been made available now to me, they were spying on me for nearly 50 years, they admit, and I found here a telegram that was sent
from an infiltrator of the special police, the special branch, spies from our offices to the chief superintendent of the special branch in charge of the spy corps. And it reads as follows. Tariq Ali has just informed us that Alain Crevin, the French communist within inverted commas, presidential candidate, will be coming to London on the 31st of May 1969 to address a meeting at Conway Hall starting at 14 hours. He will arrive at Heathrow Airport at 13 hours and will be met by Tariq Ali. Now, this is not a big event, obviously. Alain arriving at Heathrow and me meeting him there. So it didn't seem too sinister till a friend of mine who was a lawyer looking at these, he said, yeah, it seems harmless and it is. But what if you guys were really organizing an insurrection? They could have bumped both of you off at the same time. A thought that hadn't occurred to me, because the possibility of any upheaval or leave alone an insurrection in Britain was quite remote. So there was a camaraderie which we established at a very early stage. And then even after I had left the Fourth International, the people with whom I maintained contact at various levels was mainly Daniel Ben Said, but also Anna. We would run into each other at odd conferences. I saw him in Venezuela, in Caracas, I think in 2003. And we met and we spoke and we talked, and they are very pleasant memories. And sometimes when he came to London, he came to see me. So we exchange memories, discuss politics. Of course, we live in very different times now. The situation in France in particular, I think, is pretty awful. Let's leave it at that. On va pas en rester là, mine de rien. Donc, on a vu à quel point la guerre d'Algérie et la révolution algérienne avaient été un épisode important pour Alain, pour sa génération, pour d'autres. On va maintenant se pencher sur la question et l'importance de la guerre et de la révolution vietnamienne avec un camarade qui est lui aussi membre du comité exécutif de la 4e internationale, qui a participé aussi au mouvement altermondialiste, qui suit souvent, mais pas que, des organisations en Asie, qui a été un camarade, un des fondateurs de notre organisation, de notre courant aussi, camarade de cellule dans tous les sens du terme avec Alain, si j'ai bien compris, puisque ça a été le cas aussi en prison, lorsque notre organisation a eu quelques déboires avec la justice. C'est notre ami, notre camarade Pierre Rousset. Bonjour à toutes et tous. Alain a été en fait l'un des fondateurs du Comité Vietnam National, le CVN, qui a été constitué en novembre 1966. Nous nous mobilisions à l'époque sur de très nombreux terrains, mais à l'heure de l'escalade américaine au Vietnam, états-unienne au Vietnam, pardon, le Vietnam était véritablement devenu l'épicentre de la situation mondiale. Et ce n'est pas une formule, c'est une réalité qui était devenue l'épicentre de la géopolitique mondiale, symbolisant l'actualité du combat révolutionnaire international. Alors, de nombreux mouvements s'engageaient en France contre cette guerre meurtrière. Certains étaient rattachés à des partis, comme le mouvement de la paix avec le PCF, ou comme les comités Vietnam de base du courant maoïste UJCML. La particularité du CVN, c'était qu'il était à la fois très militant, avec un grand nombre de comités locaux, très radical dans son soutien au peuple vietnamien, et de composition très unitaire, en rassemblant un bel éventail de personnalités et de courants politiques. Sous le drapeau de la solidarité Vietnam, des liens se tissaient dans le monde entier. En Europe, une coordination permanente des mouvements de jeunesse radicaux avait été constituée à Liège en octobre 1936. Elle a préparé
la grande manifestation de février 68 à Berlin, où Alain était à la tête de la délégation française. Ces années restent pour moi une véritable leçon d'internationalisme dont nous pouvons nous inspirer aujourd'hui encore. Mais elles ont aussi montré la fragilité de l'engagement internationaliste. Après la grève générale de mai 68, c'est donc une histoire particulière à la France, après la grève générale de mai 68, les organisations militantes se sont concentrées sur l'enracinement social, et on le comprend. Problème, les organisations de solidarité avec le Vietnam ont simplement disparu. CVN, CVB, disparu. Pourtant, le peuple vietnamien continue à subir la meurtrière politique de Washington. Il a fallu 3 ans pour reconstituer le Front Solidarité Indochine. Donc ça, c'est aussi un avertissement. La continuité du combat internationaliste n'est pas un acquis. Il ne faut pas l'oublier. Alors, vous pensez probablement, à voir ma tête, que j'appartiens à la même génération militante qu'Alain. C'est vrai et faux. Nous sommes la génération qui a préparé 1968. Mais Alain s'est engagé bien plus tôt que moi dans la vie militante, et comme il a été dit à plusieurs reprises, ça lui a permis de vivre la solidarité, y compris la solidarité clandestine, avec la révolution algérienne. Et ça, c'est un type d'expérience qui est irremplaçable. Vous l'avez vécu ou vous ne l'avez pas vécu. Et moi, je ne l'ai pas vécu, si bien que quand on s'est rencontrés, Alain était déjà un cadre, moi j'étais un jeune militant. Alors, une poignée d'entre nous, comme ça a été indiqué, ont été incarcérés une première fois, en juin 68, dans une aile particulière de la prison de la Santé. Michel Krivine, lors des obsèques, avait souligné que c'était en quelque sorte le Hilton des prisonniers. C'est une aile de la Santé où les Algériens avaient été incarcérés, où l'OAS avait été incarcéré. Si vous voulez, c'était une aile réservée aux politiques, même si le statut de prisonnier politique n'a jamais été reconnu. Alors, nous passions la nuit dans des cellules individuelles, protégées des ronfleurs. Mais les portes restaient ouvertes le jour et nous pouvions socialiser. Alors, je dois avouer qu'il m'est arrivé d'être, dans ces temps de socialisation, un embarras pour Alain. J'exigeais haut et fort, y compris à travers les fenêtres de la prison, le droit de recevoir nos compagnes. Alain jugeait ça un peu trop juvénile et un peu trop peu politique. Néanmoins, cette revendication, quelques années plus tard, a enflammé les prisons françaises. J'étais à l'avant-garde. Alors, l'un de nos co-détenus injuriait en gribouillant sur les murs notre juge d'instruction. Il s'appelait Vigoureux, si j'ai bonne mémoire. Là, j'étais d'accord avec Alain, puisque notre libération dépendait de ce juge d'instruction, pour trouver cela peu opportun. Les années suivantes, notre régime carcéral a radicalement changé. L'administration pénitentiaire pensait que les politiques étaient à l'origine du mouvement de révolte des droits communs. C'était plutôt le régime carcéral qui était à l'origine de ces révoltes. Donc nous avons été mis à l'isolement total. Même quand on allait voir un médecin, on était dans une cellule d'attente solitaire, séparée. Tant pis pour la socialisation, je ne pouvais plus côtoyer Alain qu'en liberté.
Alors, on va terminer cette première partie avec une nouvelle vidéo d'un camarade qui n'a pas pu être présent parmi nous ce soir, mais qui veut nous parler d'un moment qui a été un moment fort dans l'histoire de la LCR, qui est la création et le combat des comités de soldats. La parole à Robert Pelletier. Alors, Alain Crivine, le mouvement des soldats, je pense qu'il aurait bien aimé y participer, mais quand il était au service militaire, eh bien, il a fait le malin et il s'est présenté comme candidat aux élections présidentielles en 69, donc finalement il est passé au travers. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il ne se passait pas grand-chose dans l'armée, quelques mouvements, mais pas grand-chose. Mais en tout cas, on sentait qu'il était toujours été intéressé par cette question. Et quand en 73-74, la Ligue a décidé de faire des choses dans l'armée, c'est-à-dire à partir de la signature de l'appel des 100, il était dans ceux qui étaient le plus enthousiastes, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Ben, Daniel, lui, ils étaient chaud bouillant. Et donc, voilà, il a suivi après tout le temps ce qui se passait dans l'armée. Moi, plus précisément, quand je suis monté en août 1974 pour discuter de quelle façon on allait essayer d'amplifier le mouvement, bon, c'est avec lui, Daniel aussi, avec quelques autres, qu'on a discuté de ce qu'on pouvait faire comme mouvement. Et donc, on a décidé d'une manifestation de soldats, qu'on a essayé de faire ça. Et Daniel, Alain plutôt, m'a pris en aparté. Il m'a dit, tu sais, si ça a lieu, vous allez prendre au moins toi, tu vas prendre au moins un an de prison. Bon, moi, c'était dans le mouvement de l'époque. Hein, voilà, ça faisait partie du... Je dirais pas du jeu, mais en tout cas de la situation politique, on était parti pour ça. Donc bah, après, il est venu au procès à Marseille, en plein milieu de manifestations de soutien, de solidarité. Bon voilà, mais il passait pas inaperçu. Effectivement, les journalistes de Minute l'ont chopé avec des photos et des textes dégueulasses dans le journal. Et puis bah, après... Alain suivait ça d'assez près, quand il y avait des réunions de soutien et tout ça, il était toujours dans la partie prenante de ces manifestations de soutien. Et puis, bien longtemps après, quand on se voyait, c'était souvent qu'on évoquait ça, parce que ça faisait partie, je pense, pour lui, des meilleurs moments de son activité militante, telle qu'il pouvait la solliciter, la soutenir, participer, être présent dans tous les cas de figure. Donc je crois que pour lui, oui, c'est resté quelque chose d'important dans sa trajectoire, on va dire, je ne sais pas comment on dit, dans sa vie politique, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, on va voir une nouvelle vidéo que Fred a compilée, le premier extrait d'un abécédaire consacré à Alain. Et puis ensuite, on va embrayer avec un deuxième plateau d'invités, d'intervenants et d'intervenantes qui seront présidés par notre camarade... Christine et notre camarade Christian, et nous on vous retrouve pour un troisième plateau. Voilà. Ça a été une suite de meetings ponctués par des voyages dans un petit avion de tourisme, puisque c'était ce fameux pilote là qui avait servi dans l'armée israélienne, petit aventuriste, mais ça lui plaisait, il trouvait ça chouette, qu'on avait du culot. Et du coup, comme il adorait piloter, il nous a mis son avion et lui-même à notre service. Donc on passait notre vie entre les meetings, les sauts de puce dans ce petit avion où j'avais les jetons. Et Ernest Mandel et nous, on faisait l'aller-retour dans les barricades, 22 rue Gay-Lussac, puis des barricades, puis 22 rue Gay-Lussac. On a comme ça été dans les barricades. C'est là où j'ai vu des barricades très bien faites, celles dont j'ai parlé, Boulevard Saint-Michel, d'autres faites en dépit du bon sens devant des impasses, notamment rue Gay-Lussac. On a tenu jusqu'à 3 heures du matin où les flics ne sont pas intervenus. Vers 2-3 heures du matin, la police a eu pour ordre de liquider les barricades. Ça a été très violent, moins qu'en Amérique latine, moins que dans d'autres pays où c'était surtout étudiants. Mais ça a été quand même plusieurs centaines de blessés. Vous pouvez gémir et vous gémirez encore, bureaucrates de tout acabit, car désormais, une nouvelle génération révolutionnaire est née en France et dans tous les pays du monde, qui n'accepte plus cette politique de capitulation et qui, en ce qui nous concerne, est prête aujourd'hui et se donne tous les moyens
pour reprendre jusqu'à la victoire finale le combat de mai et juin 1968. C'est toute la logique d'un système qui est en cause. D'un système où tout ce qui est produit l'est uniquement en fonction du profit et non pas pour satisfaire les besoins des gens. D'un système, par exemple, où les frais de publicité en France représentent le double du budget de la santé, où l'armée coûte plus cher que l'école. D'un système où, malgré les progrès scientifiques, les conditions de travail et de vie sont de plus en plus pénibles. Nous avertissons François Mitterrand. Nous ne voulons pas d'un gouvernement d'Immolet, Willy Brandt ou Wilson. Nous voulons réellement changer la vie. Mais pour cela, il ne peut pas y avoir de trêve avec le patronat. Ce dernier congrès de la LCR est un peu exceptionnel, un peu particulier. Aucun d'entre nous, jusqu'à présent, même les plus habitués des congrès, n'avons participé à un congrès de dissolution. Alors la dissolution, on connaît, puisque nous avons déjà été dissous deux fois, mais c'était par le gouvernement, et cette fois-ci, c'est nous qui allons voter notre propre dissolution. Moi, les seuls souvenirs que j'ai, c'est d'avoir été un objet en quelque sorte. C'est-à-dire, je suis sorti où l'esprit de la caserne n'était pas tellement l'esprit de la Ligue. En plus, je n'avais pas été au congrès de fondation, puisque ça a eu lieu en Allemagne, moi j'étais à la caserne. Et je n'ai donc pas participé au choix du candidat. Et je veux dire, je suis débarqué illico, quoi, conf de presse. En plus, à l'époque, personne n'avait l'habitude de mener une campagne électorale ni une campagne présidentielle. Je suis d'une part scandalisé par la banalisation de Le Pen et de sa bande de racistes qui a été faite pendant cette campagne électorale, scandalisé par la banalisation du crime, et qui n'est pas une bavure pour nous, mais c'est l'image même de ce qu'est le fascisme. On s'attaque d'abord aux immigrés, et puis maintenant aux militants de gauche, et enfin scandalisé par l'absence totale de réaction d'ampleur nationale face à un tel crime qui risque d'être un précédent. Il y a deux semaines, dans cette France de Giscard, un homme de 25 ans est mort de faim et de froid à Sochaux. C'était un ouvrier de Peugeot. Il avait été licencié par son patron. Il avait perdu en même temps son travail et son logement. Il vivait dans un hangar près de son usine. C'est un huissier qui l'a découvert. Il venait lui apporter une convocation pour le tribunal. Il était mort depuis 3 jours. Il ne pesait plus que 40 kilos. Et la police a conclu à une mort naturelle. Et que faisait Giscard pendant ce temps-là? Eh bien, il suffit de lire la presse. Je lis. Monsieur Giscard d'Estaing, accompagné de son fils Henri, a participé à une chasse aux faisans et aux daims sur les terres du comte de Beaumont à Diebolsheim, dans le Bas-Rhin. Il a assisté à une messe au château samedi soir. Les chasseurs se déplaçaient en caravane, transformée en salon. Le tableau de chasse s'élève à 300 pièces. Monsieur Giscard d'Estaing a regagné Paris dimanche soir par avion spécial. Voilà. Je n'invente rien. C'est cela aussi la France de Giscard. Et il n'est pas possible d'en reprendre pour 7 ans. Oui, avec la 4e internationale, ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. En politique, je pense jamais, Jean. En politique, jamais. Parce que ça n'a aucun intérêt. La politique, par définition, c'est d'essayer de susciter une réflexion et une action collective, par définition. Donc, la priorité n'est jamais le jeu.
Bon, d'abord, c'est différent de lire un journal papier, en tout cas, moi, c'est mon avis. C'est peut-être un vieux schnock. Deuxièmement, ça permet une présence militante. C'est très important. Moi, je sais qu'à Saint-Denis, depuis des années, on est là tous les dimanches sur le marché à vendre le journal, même si on en vend peu. C'est une présence. Les gens viennent nous voir, ils ont plein de choses à nous demander. Bon, c'est très important dans les manifestations aussi. En plus, moi, j'ai pas l'habitude de lire. C'est un défaut. Mais dans les meetings, j'ai des notes. En règle générale, je ne lis pas. Parce que je pense que quand on lit, soit on n'arrive pas à sortir de son texte, soit, si on sort de son texte, on risque de perdre les... Et du coup, on ne sent pas la salle, on n'arrive pas à s'adresser directement aux gens. Et je trouve qu'on est plus emmerdant quand on lit que quand on ne lit pas. Donc il faut avoir des notes pour bien avoir le plan. Et puis après, il faut sentir et y aller.